Bonsoir à tous, bienvenue sur mon stream, sur ma quatrième partie de Beyond Good and Evil. Donc bonsoir à tous, vous êtes déjà deux sur le stream, ce qui est deux fois plus que la semaine dernière. C'est génial. Franchement, est-ce que je fais le résumé des épisodes précédents, vu que Bultom tu connais le jeu par cœur, et Radat était là déjà la semaine dernière. Donc voilà, je crois que ça va pas être nécessaire. Testé pour le souci de délai, ça marchait bien vendredi avec Star Citizen. Donc là, j'utilise QuickSync aujourd'hui, on va voir si ça marche mieux, s'il y a moins de délai. Espérons-le. Je sais pas pour l'instant si ça marche bien. Voilà, Rada, donc pour les viewers YouTube, tu veux que je fasse un résumé. So, previously on Beyond Good and Evil. Alors, la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a fait déjà la semaine dernière? Ah oui, la semaine dernière, on a fait pas mal de quêtes secondaires pour récupérer des perles. On a chassé les animaux, enfin chassé en photo. Et on a commencé à infiltrer les abattoirs, parce qu'on a découvert que les personnes qui étaient enlevées sur Ilys transitaient par les abattoirs avant d'être expédiées sur la Lune. Donc là, on s'infiltre dans les abattoirs pour je sais pas trop quoi faire, pour faire un reportage et pour que la population d'Ilys prenne conscience que les Doms et les sections alpha les manipulent et se jouent d'eux. Et voilà, donc là il faut faire éclater la vérité. Et pour libérer Tonton, c'est vrai Rada, parce que Tonton le cochon est enlevé. Une pensée pour Paige qu'il faut sauver aussi. Et donc depuis le stream dernier, je me trimballe avec Double H qui est complètement con. Pas très fut-fut Double H. Donc on va continuer, je ne sais plus où j'en étais déjà la semaine dernière, s'il me restait des animaux dans le coin. Apparemment il y a un animal qui est dans le coin, je sais plus trop où. Il y a un animal qui est un petit peu en haut. Par là. Je sais plus. J'aurais peut-être dû aller voir pendant la pause. Tant pis, il y a un truc là. Attendez, laissez merde. C'est pas ça que je voulais faire. L'appareil photo. Animaux. Donc il me reste 4 animaux. Avant de tous les. Donc les 4 animaux pour finir la pellicule et tous les avoir. Alors, le quatrième, je sais exactement où il est. Facile à savoir. Je vous le montrerai normalement dans ce stream. À la fin. Il y en a 3 autres qui me restent. Donc on va remonter. Peut-être qu'il y en a un là-haut. Je sais plus, je sais plus. Est-ce que Graham patouille? Ah non, faut passer par là, c'est vrai. Alors, est-ce que ça buffer? Est-ce Ne qu'il y a bouge pas de là. du délai Je sur le couvre vos chat? Est-ce arrières, que ça voici les jeunes. marche? Ouais, vas-y, appuie. Funiculaire, je sais plus, tac. Ok, il y en a 2 qui sont là. On verra plus tard quand on reviendra. 4 secondes de délai? Not bad. Ah non, c'est pas ça, c'est quelle touche? C'est par là. Je crois qu'on peut redescendre. Ah, 5 secondes, pas mal. Maintenant, faut voir si ça tient sur la durée. On va voir. Parce que la semaine dernière, ça partait bien aussi sur Twitch. Et après. Après, on a doublé assez rapidement. Ben, on va voir, on va voir. Ça serait bien que ça soit résolu. Bon, je sais plus où ils sont, les trucs. Tant pis, on va continuer. On va les retrouver, je pense, au fur et à mesure. Ça va me revenir. On va avancer. Alors, pour régler le souci de délai, tout ce que j'ai fait, j'ai utilisé QuickSync. Ah!
j'ai utilisé QuickSync au lieu de Nvidia, la solution Nvidia. Mais en plus, s'il faut, ça venait pas forcément de la solution Nvidia elle-même, c'est parce que j'avais réglé les paramètres d'encodage sur qualité maximale. Je pense que ça menait un délai au lieu de baisser les qualités, les paramètres de qualité. Et je pense que le délai de traitement des images aurait été plus rapide à ce moment-là. Là, je suis passé directement sur QuickSync. Ça marchait bien l'autre jour. On va continuer là-dessus. 6 viewers, pas mal. Salut Johnny Poirot, magnifique surnom. Je ne sais plus par où c'est. Je sais plus, je sais plus. Alors là, ça doit être la sortie. Ou pas. Ah, c'est pas ça, c'est là. Ouais, c'est ça. Là, c'est pour sortir. Est-ce que ça, j'ai déjà pris en photo? Ça, j'ai déjà pris en photo. Donc, ils sont où les animals? D'accord, apparemment les animaux sont en haut, donc cette papa dans le coin, donc je les trouverai plus tard. Espérant que j'arrive à tous les trouver et qu'on les ait tous. Ce serait sympa d'avoir tous les animaux. Donc je me rappelle comment sauter, c'est pas mal parce que c'était quand la semaine dernière que je m'en souvenais plus. C'était honteux. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Un truc à monter, on va faire. Ah, allez, saute. Je sais pas. On va fouiller la zone. Ok, là il y a un truc. Okidoki, donc l'un de celui, la suite c'est par là. Là, il me semble qu'on peut grimper. Là, je peux m'accoster. Je sais plus du tout où ça mène. Allez. Je me souviens plus du tout de cette partie du jeu. Alors, normalement, c'est ça. Donc là, ça va être une première partie. Et une perle de l'autre côté. Donc là, à la fin, il y aura une partie pour le reportage. On va continuer. On se retrouve plus loin. Entendu. Il faut parfois casser le binôme. Carlson et Peter, page 824. Ah, oh, déjà quoi. Ah, demande d'autorisation au nettoyage zone. Ah ouais. Ah merde, je vais me faire nettoyer là. J'ai vu un truc là-bas. Intrusion, intrusion. Ah, ça commence bien. Demande d'autorisation au nettoyage zone. Reçu. Ça me voit pas. Ça me voit pas. Voilà. J'espère qu'en 2 heures j'aurai le temps d'aller où je veux. Ah oui, je m'en souviens. Paf. Et là, il tombe. Voilà. Ta gueule. Ah,
Finger in the nose. Nose. My English is very good. Oh, ce brouillard. Non. Alors, tac tac, comment ils font eux? Ils font le tour. Attends, lui fait le tour ou il fait pas le tour lui? Non, lui il est comme ça. Tac. On va ça. On va y aller calmos. Pas envie de me faire choper, donc on va prendre notre temps. Lui, il tourne là. Allez, retourne-toi. Parfait. Allez, on continue. Donc là, ils font un fusible. Oh, on n'a pas le fusible. Donc il faut trouver un fusible. Ça va, c'était pas trop compliqué. Bizarrement, il y a un fusil qui traîne à 20 mètres. Oh, limite, un Dishonored, c'est encore plus furtif, quoi. Mais ça reste un excellent jeu, Dishonored. Alors, je sais pas pourquoi, je sens que je vais me faire attaquer, là. Ah bah oui, il y a un truc, en fait. Pof, pof, pof. Lequel je tape? Non, là, tourne, ah. Putain. Ah. Eh ben. Voilà, hein. Mais. Voilà. Des kebabs et des starkers. J'ai combien de kebabs? Je n'en rends pas game. 9 kebabs. Alors, par où on va? Par où encore on va? Par où qu'on va? Ça m'a l'air un peu fermé par là. Ah bah non en fait. Attends. Allez, on va taster par là. Oula. Bon, ils sont deux. On va peut-être y aller doucement. Je sens pas là des masses. On peut pas passer par dessus. Oh ça pue, oh ça pue, oh ça pue, oh ça pue, ça pue, ça pue. J'aurais pas dû ça, je sais pas pourquoi j'ai cliqué. J'y vais. Quelque chose là-bas. Alarme. Alarme. Ah non, tu m'as pas vu, regarde, hop. Eh pourquoi? Putain, caméra de merde. Oh. Mais il tourne. D'accord, ok, le truc. Je veux me barrer, mais le truc il cible le mec. Mais putain de... Oh. Mais rentre dans ce putain de trou là! Ah, au moins elle est rentrée. Bon, ça c'est le grosse galère du jeu, c'est la caméra qui. Bon. Soit. Voilà. Ok. Tout ça pour un putain de cœur. Ok, système rebranché.
Mais j'ai fait totalement le con, hein. Je sais pas pourquoi j'ai cliqué. Ah non mais ça va, oh. Demande d'autorisation au nettoyage zone. Reçu. Ah, ça commence bien aujourd'hui. Y'a rien. Ah, y'a rien, allez, rentrez chez vous là. Oh, je suis pas d'accord que t'es forcément dirigé vers le bien dans Dishonored, hein. Tu peux la jouer totalement furtif ou en totalement bourrin. Hein. Tu peux bien te faire plaisir dans Dishonored. Hein. Des navets banalisés. Alors pétant tous la gueule. Est-ce qu'il y a un truc? Non, c'est pas encore par là. Il y a une perle dans le coin. Ce truc c'est un labyrinthe à chaque fois, je me foume là-dedans. Bon, ok, bon, au moins là c'est sûr, on peut pas passer. On va éviter de faire le con et de se prendre un truc. Tu me vois pas. Et voilà. Alors voyons les perles un peu où on en est quand même. Je me manque quand même pas mal encore. Ok, il me manque tout ça. Il me manque quelques-unes. Hein. Et j'espère les trouver toutes avant la fin de ce stream. C'est pas gagné quoi. Juste voir si un truc de l'autre côté par contre. On peut passer par là. Il y a un truc vers le. Oh, attends. Quelque chose là-bas. Ouais. J'y vais. Un peu déconné en fait. Ce que j'aurais dû faire, c'est d'abord d'activer ça. Et normalement, si j'active ça, je me retrouve à l'entrée. Ok, c'est bien ça. Ça c'est bon. Il faut qu'on passe de l'autre côté maintenant. On va attendre qu'il revienne lui. Oula. Ah merde. T'as pas vu. J'ai pas là. Demande d'autorisation au nettoyage zone. Reçu. Le chat reste réactif, parfait. La qualité est pas trop dégueu. Bon, on va attendre. On y va calmement. C'est pas un speedrun. Allez, c'est parti. Et je cours. Il me voit pas. Putain, c'est par quel côté? Bonsoir, Astrin. Ok, là en fait je prends juste la porte, comme ça je suis tranquille. Et là c'est bon, c'est un vrai labyrinthe ce truc. Ok, sauvegarde. Pas un truc à pousser là? Je sais plus. Ah si, je me savais. Il y a toujours un truc à pousser. Il y a pas un animal dans le coin? Non, je sais plus. Ça sert à quoi déjà? Ah oui, c'est le fusible. Oula, 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 oula. Thank you.
Ok, ça c'est bon. Alors là c'est bon, là on est passé. Ok, on descend. J'ai gagné un fusible. Ok, on s'approche de par là. T'as pas fait Dark Souls, Rada? Ça me fait penser qu'il faudrait que je reprenne un jour ma partie de Dark Souls. Bon. Par là, c'est un peu chaud. Mais par là ça donne quoi? Ok, par là on peut pas trop passer, il y a un truc là. Oula. Putain, on voit rien. Ah si. Eh, comment tu me vois là? Demande autorisation. Et de l'autre côté, ça donne pas où, c'est ancien. Et si je grimpe par là? Zone nettoyée. On tire nos alarmes. Chut, tais-toi. Allez, retourne-toi. Bon, elle va se faire exploser la gueule sur une mine là. Non, même pas. Allez, dégage. Donc là, ça mène par où ça? Ok, une salle pas super utile. Donc c'est pas par là la suite. Mais j'ai gagné un corps, c'est pas trop mal. Ça peut toujours servir. Oh merde, y'a quelqu'un. Y'a rien. Non. Hein? Y'a rien. Ah, c'est le mec de l'autre côté ça. Ok, ok, j'aurais dû le virer avant. C'est pas grave, de toute façon les crédits j'en tape, j'en ai beaucoup. Hop, je passe par là. Hop, hop, hop. Là, ça marche. Il est où? Allez, hop, dégage. Et voilà. Jusque là, ça va. Ah, j'ai trompé de touche. Putain, je sais plus par où c'est. Chut! J'suis pas là, j'suis pas là, j'suis pas là. Allez, avance ça! Ah merde! Oh putain. Ah, on y est presque là, on y est presque, on est pas trop trop loin je crois. Et c'est qu'un quart du truc là je crois. Putain, on est pas sorti, je pensais que c'était plus court que ça. On va voir, on va voir, on se presse pas. Ça laisse le temps de passer. Oh, comment tu me vois là? Alarme!
Mais putain, mais pourquoi cette putain de caméra fonce vers le mec? Ah mais BioShock c'est pas dénigré, c'est un excellent jeu BioShock hein. À part peut-être le 2 qui est moins bien que les autres, mais moi j'adore tous les BioShock hein. Ok, l'autre con il se retourne de temps en temps quand même. Mais putain de caméra! Mais comment il me voit? Comment il me voit ce con? Demande autorisation des voyages zone. Reçu. Zone bon. Nettoyée. On va se calmer. Est-ce qu'on peut se la jouer bourrin? Ah putain de caméra. Assistance au binôme. Ok, système rebranché. Oh. Voilà, au moins, c'est fait. C'est pas très furtif, mais au moins c'est efficace. Secteur par là-bas. Ah, il est là, lui. Vous avez réussi à vous faufiler. Continuons, je crois. Ouais, ça doit être tout droit là-dessus. Ah. Ok, donc là, ça doit être. Ouais, ça, c'est le début du niveau. Ok, donc la suite, c'est par là. C'est là que transitent les victimes. Allez-y, je couvre vos arrières. N'oubliez pas de prendre une photo. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il y a des trucs? Là, il y a une photo à prendre. Hop, petite photo. Ok, première photo. Pas un truc par là, vrai. Oh, intrusion, intrusion. Allez, double H, il se les fait ou quoi? Il sert à rien le double H. Voilà. Normalement, la photo est faite. Reportage, tac. Donc ouais, chaque partie, ça va être un reportage. Donc là, j'ai fait la partie sud, là, en fait, de la map, pour faire la... le haut et la droite. Pour faire les deux autres photos du reportage. Abattoir, parce qu'il faut faire trois photos pour le reportage. Donc là, je viens de faire la première. Donc là, c'est bon, ça c'est fait. C'est par là, mademoiselle Jeanne. Re-sauvegarde. C'est par là, mademoiselle Jeanne. Par là, par là où? Par là? Par là, par là? Ok, ça c'est fait.
Mais non. Maintenant, il faut passer de l'autre côté. On va pousser la caisse. Non, il n'y a pas de déhypage pour Hotline Miami 2. Hotline Miami 2 va être un pur chef-d'œuvre. Et j'ai toujours pas reçu ma clé, moi. Aïe 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 aïe. Et ça passe. Ça passe. Ok. Identification. Qu'est-ce qu'on peut acheter? Voilà, achetons des kebabs. J'ai plein d'argent. Kebabs régénère toute votre énergie. Allez, deuxième partie. Double H, toujours en toute indiscrétion. Ouais. Alors là où je suis. Ok, il y a une paire dans le coin, mais pas d'animaux. Okidoki. Donc là on peut passer par au-dessus. Donc toi, ciao. Je peux vous aider? Je peux vous aider, mais oui. Ok, allez, rappuie. Voyons, ça mène ça là-haut. Je vais explorer le secteur par là. On se suit en parallèle. Soyez prudente. Alors là, on peut pas passer. Merde. Oups. Oups. C'est tourné au mauvais moment. Oh putain, il est là. Je suis pas là, tu me vois pas. Tu me vois pas. Regarde, je m'en vais, je m'en vais. Tu me vois plus. Demande autorisation, nettoyage, zone. Reçu. Zone nettoyée. Salut Jackie. Ah! Voilà! Trop anticipé. Ouf! Alors là c'est fermé. Si j'appuie là, ça fait quoi? Toi ou là? Ok. Normal. Ok. Là on peut pas passer. Là y'a un truc. Streamer toujours nickel, bah c'est parfait, hein. On va rester comme ça pour l'instant. Ah, j'ai pas dit V-Sync, c'est Quick Sync, c'est la méthode encodage que j'ai changé. Rien à voir, Ada. Là, si la caméra. Vous avez entendu parler d'un arrivage de caisse. Oui. On est sur la bonne voie. Ok, des caisses. On va voir tonton bientôt, j'espère. Ah oui, ce passage est chiant. Hop, hop, hop. L'autre il tourne dans le coin.
Et celui du fond, il fait quoi comme tour? J'ai vu un truc là-bas! Chut, 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 chut! J'y vais! Non. Vous avez rien vu? Cassez-vous! Casse-toi! Casse-toi! Intrusion! Ah merde! Eh merde! Ah putain, plus faut que je récupère ça. Je suis dans le bon coin. Ouais, ça a l'air d'être pour là de toute façon. Ah, c'est les passages d'infiltration les plus chiants là après. Pff. Ça reste bien, mais c'est un peu longué ces passages là. Pas trop le choix. On va retenter de l'infiltration, sinon on prend une bourrine hein, comme d'hab. Je le sens pas trop là. Allez. Voilà, parfait. Ok, là on est bien. Lui on va le refaire par son tour. Là il s'approche. Tac, et c'est parti. Là je sais plus du tout. Oui, là il y a un truc à faire avec la caisse à pousser. Ah, j'avoue Rada que la phase du jardin dans Zelda Ocarina of Time est assez chiante aussi, puisque je l'ai faite l'autre jour. Parce que j'ai commencé sur 3DS et... Oui, c'est chiant. C'est de la même veine. Et voilà, en fait il fallait mettre la caisse parce que si tu mets pas la caisse, j'aimerais bien que tu grimpes là. Voilà, tu peux pas remonter. Voilà pourquoi il fallait mettre la caisse. Donc là j'ai un autre fusible, là je peux grimper là, je vais juste voir qu'est-ce qu'il y a là. Mais voilà, dans Ocarina of Time ça reste quand même assez court hein, le passage. Entendu. Plus tout seul. Ah merde, il y en a un autre. C'est bon, il a pas compris ce qui se passait. Oh, même pote, il est mort. Qu'est-ce qui se passe? Ah merde. Ah, j'étais pas loin. Merde. Ah putain, je me trompe de touche à chaque fois. Qui est le con qui a foutu espace pour courir quoi. Ouais Jackie, j'espère finir le jeu la semaine prochaine. J'espère. Parce que là, en fait, je suis en retard par rapport à ce que je comptais faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je comptais tout finir. Et... Attends, je suis concentré là. Mais je suis à la bourre. Je sais pas. On verra. Oui, allez, ta gueule. Ça vient de là-bas. Ah, il y a encore des gens? Ah ouais, effectivement, il y en a un.
fausse alerte. Hop, 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 hop. Voilà. Et voilà. Finger in the nose. Alors... ce sera quoi le prochain jeu? Je sais pas trop encore. Il y aura forcément du Star Citizen. Forcément la partie FPS de Star Citizen qui devrait sortir fin mars. Si tout va bien. Et après, je sais pas, j'aviserai. En avril, il y aura du GTA V. Sûr aussi. Et entre temps, bah, je verrai. Je prendrai du repos. Je sais pas si j'ai envie. On verra au fur de mes envies et de l'écrémage de mon backlog. Je sais pas du tout par où faut que j'aille. Et je veux juste aller voir en bas. Je sais pas où ça menait. Donc là, j'ai chopé la perle. Juste redescendre. Là j'y suis allé. Là juste par là. Donc là je suis bloqué. Là je peux rien faire. Ok, là je peux pas passer. Doit sûrement falloir passer par en haut. Non, Johnny Poirot, ne parle pas de malheur. GTA va sortir mi-avril. Obligé. J'espère. Je veux. Franchement, si repoussait la partie online, mais j'en aurais rien à foutre, mais d'une force, je veux juste le solo. Comment ça se fait? J'ai pas un... Putain. J'ai pas un fusible qui traîne? J'en avais pas chopé. À part que je suis mort entre temps, il faut que je le rechoppe le fusible en bas. Ouais, donc comme je disais... Ah oui, effectivement, faut que je recommence. Comme je disais, je m'en fous que GTA Online soit repoussé, mais qu'il sorte au moins le solo, quoi. Je demande que ça. Salut Adrien. Ouais, ça va pas te spoiler, Radal, le stream de GTA V, hein. La découverte du monde et tout, wow. Faut voir. Ça peut être fun, quoi. C'est sur les open world qui t'arrive le plus de merde, de toute façon. Comme Far Cry 3, quoi, quand j'avais streamé du Blood Dragon. Où y a rien qui se passe comme prévu, parce que là, bon, sur un jeu comme ça, tu suis la trame et peut pas t'arriver grand chose de spécial, alors que là-bas... comment ça marche déjà, ce truc? Je ne sais plus. Je sais plus. Ça approche de la sortie. Bon, par là, ça a l'air d'être un peu bloqué. C'est pas par là. Cette caméra de merde. Là je suis bloqué aussi. Tac tac, bloqué, bloqué, bloqué. Je peux descendre. Je veux juste essayer un truc en fait. Je sais plus, c'est par là. Par là, il y a un truc ici, c'est bien ça. Qu'est-ce qui se passe avec Bulthomme à Leclerc? C'est quoi le truc là?
Ah, j'ai encore de la mémoire, hein. Ça fait quelques années que je l'ai pas fait, mais... Je commence à avoir un paquet de cœurs. Ok, ça c'est bon. Je peux pas remonter directo, je suppose. Oh, il y a des collectionneurs d'amiibo dans le coin là. Ah, oh, regarde mon amiibo Princesse Peach, il est trop beau. Ce truc useless, digne de Gracchus. Ok, ça c'est fait, c'est par là. Pof, 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 on continue par là, je fais un coup de pied, je descends. Ok, ok. Alors, repérer quelque chose ? Négatif, rien vu de vraiment compromettant. Il faut trouver un passage vers la salle centrale. Ok. Alors, on va essayer d'y aller doucement. Alors, si je m'accroupis, c'est plus facile de diriger, parce que sinon, aux flèches, c'est pas terrible. Pas super précis. Quelqu'un? Personne? Alors, zone vaste et dégagée, avec personne au milieu et aucune caisse, ça sent le fight. Oh. Ah oui, je sais, ces trucs, faut les prendre en photo d'abord, je crois, si j'arrive. Ah non, en fait, je les ai déjà photographiés. Ah, putain. C'est une vraie plaie, ces trucs. Putain, ça saute là, voilà. Mais tais-toi. Bah tape. Oh, cette caméra. Ah. Oh, il est mort, je m'en fous qu'il soit mort. Et je m'en fous qu'il soit mort, laisse-le crever et qu'il se réveille à la fin du combat. Ce combat, je n'y vois strictement rien. Je suis contre un mur là. Et respect, mademoiselle Jade. Joli travail en binôme. Ah, oh bah ouais. Tiens, ouais, allez. Merci, mademoiselle Jade. Prends un Starkos et tout va mieux après. Ouais, je peux lui filer un cœur pour que ça monte sa barre de vie, mais je la flemme, il sert à rien ce mec. Je peux lui filer des cœurs pour rien, quoi. Ce mec est totalement useless. Y a pas de perles dans le coin, j'ai chopé toutes les perles, tous les animaux, donc c'est bon. Je suis radin, moi. Ouais, je suis radin dans les jeux. Non, mais celle-là, par là d'où on vient ou pas, là, je sais plus. Je sais plus. Putain, je sais plus du tout. Quoique, non, on vient de là. Non, non, c'est pas ça. On venait de par un mot. Et donc, la sortie, forcément, c'est par là. Vas-y, appuie. Vous allez déboucher dans la salle centrale. On se retrouve plus tard. Bonne chance. Là, y'a rien. Oh putain, je fonce dans le temps, moi. Sous aucun prétexte. Ordre du commandement d'Homs.
Je le sens pas des masses là. Ah si en fait. Hop, hop. Totalement débile. Ok, là on est à la deuxième partie, je crois. Non, en fait, ça doit pas être là. Je sais qu'il y a un reportage bientôt. Ça doit être un poil plus loin, en fait. Ok. Quel est le meilleur jeu d'aventure français de tous les temps? Ben, Beyond Good and Evil. Des balles à con, hein. Des Starcos, ça sert à rien. On en a un paquet. Chut, chut, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. Allez, retourne-toi. J'ai jamais joué à Little Big Adventure, je peux pas dire. Je ne sais pas ce que vaut ce jeu. Ok, là il y a deux mecs. Ok, on va se le jouer furtivo, pas du tout. Un. Et deux. Hop, un fusible de prix. Un coup de pied. Et je prends une petite photo souvenir. Les sarcophages d'hommes, c'est fait. Fusible, c'est fait. Hop, je le mets. C'est pas français les chevaliers de Baphomet, Jackie Chan, c'est anglais. Charles Cécile est anglais. Même si ça se passe à Paris. Bonsoir Arcane Elric. Ok, donc là je reviens à l'entrée. Bien reçu. Petite sauvegarde. Ok, 2 sur 3 faits. On attaque le dernier tiers. Le truc c'est par contre je ne sais plus comment on fait pour aller au dernier tiers. En fait ça devait être là où j'étais tout à l'heure alors. Ah, je ne sais plus. Ça devait être là où j'étais tout à l'heure alors je vais revenir. Parce qu'il me semble que là j'ai tout fait. Petite touchette. Est-ce que c'est pas par là? Là, je suis monté déjà là-dessus.
C'est pas français, Heart of Darkness, je crois que c'est anglais. C'était sur PlayStation, mais il me semble pas que ça soit français. Parce que là, on dirait que c'est dans le coin, là. Je dirais que c'est dans le coin, là, mais... Je bouge pas de là. Je couvre vos arrières, Moiselle Jeanne. Ok. C'est la honte, je sais même plus par où c'est. Ah oui, en fait, faut appeler Double H là, c'est ça, doit être ça. Ça doit être ça. Ouais, mais là il peut pas passer en fait le Double H là. Parce que là il pourra pas sauter le Zikoto. Ah oui, c'est trop lourd, ok. Ok, j'ai pigé. Bonsoir Chatback. Enfin un homme de goût qui arrive, un appréciateur de Metal Gear. Ok, tu me suis le Zigoto, c'est par là. Allez viens. Allez, aide-moi pousser. L'union fait la force, Moiselle Jeanne. Carson et Peter, chapitre 21. T'as voilà, on me demandait tout à l'heure qu'est-ce que je pourrais streamer. Bah, peut-être une, je ferai une story Metal Gear Solid avec Grand Zero. Bon, ça fera passer une heure, quoi. C'est assez court. Ok, vas-y maintenant. Allez, viens là. Bien reçu. Ouvre la porte. C'est bizarre. J'y vais! J'y vais! Bon, c'est le moment de servir à quelque chose, machin. Fausse alerte! Oh! Alors, ah merde, il s'est barré. Alors là, il y a un truc à bulle à choper. Non, là, il y a un animal, là. Ouais, il y en a bien un animal. Mais il est assez timide. Et je sais plus comment je chope. J'ai plus faut s'éloigner. Oh, c'est pas par le funiculaire, ça, parce que là c'est la suite. On peut pas taper là pour faire sortir. Merde, comment elle fait sortir le bousin là? Si je mets un Starcos par terre, non, je peux pas. Voilà. Il fallait juste tirer un truc. Bien reçu. Je le classe de suite. Plus que 3. Allez, plus que 3. Donc il y en a un qui est plus loin. Et les autres. Le dernier, je pense savoir. Les deux derniers, je pense savoir où ils sont. Ok, le funiculaire. OCPLB, on casse, casse pas le binôme. Allez. Ok.
quelle heure il est, 22h, ça va, on est dans les temps, j'espère, à peu près. Identification compte. Allez, on va acheter des kebabs, okay. On a plein une d'argent. Boîte de kebabs régénère toute votre énergie. Ça fait quoi ça? Ah ouais. Merde. Vas-y machin, appuie. Ok. Ah. Bien reçu. Voilà. Le recensement avance. Merci encore. Et hop. Là, il y a des trucs qui tombent, normal. Intrusion, intrusion. Procédure de... Allez, un. Dos. Bien reçu. Et tres. Ok. Une clé triangulaire, mais je crois que je l'avais déjà la clé triangulaire. Non. Ah. C'est pas ça. Ouais, c'est ça. J'ai deux clés triangulaires, donc j'enfile une à Douloche. Je récupère la perle. Là, il n'y a plus rien d'autre. Je crois pas qu'il reste de perles. Dans le coin, il reste plus d'animaux, plus de perles, il reste juste le reportage. On a bien avancé là sur le coup. Finalement, j'aurais peut-être pas dû lancer la conversation sur Metal Gear. Je vois que vous en avez un peu rien à foutre de ce que je raconte là. Ah là là. Oh, appuie. Finalement. À l'école d'officiers, on aborde ça qu'en troisième année. Ça peut vous être utile, nos armures résistent au laser. Une autre fois, ça sera Metal Gear. Ok. Ok. J'aimerais bien streamer Metal Gear 3, mais bon. Il est que sur PS3 et PS2, donc c'est con. J'ai pas l'adaptateur. Et j'aimerais bien streamer le 3, ouais, ça serait bien sympa. Oh, c'est en face, hein. Meilleur Metal Gear ever. Metal Gear Solid 3. Même si. MGS Solid Snake dit le contraire. Vous allez dans la salle centrale. Allez prendre la photo du reportage. Je reste en couverture. Ah, en fait, elle est vachement courte cette partie là. Bof, le 3 était nul, Jackie Chan, mais tais-toi. C'est le meilleur le 3 dans la jungle, c'est. Oh, quelle coordination. Mais si je pouvais, je te bannirais la Jackie du stream là. Dire que le 3 il est nul quoi. De quoi Shadback, stand-up Solid Snake quoi. Non mais je parlais de MGS Snake sur le forum qui dit que le 3 c'est le plus nul de tous. Et qui met le, je sais plus, son classement. Pour moi, le 3 c'est le meilleur. Après, je mets le 4, le 1 et le 2. Le 4, c'est du pur fin de service. Le 1, ouais, il a vieilli maintenant. Et le 2, ouais, j'ai pas super apprécié. Et Raiden, c'est une tapette. Et le Revengeance, c'est vraiment bien. Même si c'est totalement différent. Ton reportage est incroyable, Sean. Allez hop. On grave tout de suite de Iris 514. C'est bon, je c'est fini. Au gouverneur. Elle acceptera de t'aider à nouveau. Allez, publie.
Non mais Raiden, il est pas trop mal comme personnage, mais il est un peu trop efféminé dans le 2, alors que dans le 4 il déchire, et dans le Revengeance pareil quoi. Ok. Oui c'est bon, on vous rejoint. Paige a dû subir tout ça. J'espère qu'il a survécu. Et non, il a fini en jambon. Ils font très attention à les garder vivants. Tonton Paige est devenu du bacon. Putain, mais il y a des bans là qui se perdent sur le chat. Oh là là. Comme ça dérespecte MGS3 là. C'est pas où déjà, je sais plus. Pop, pop, oh là là. Gran Turismo 3, je dirais rien, j'aime pas les Gran Turismo. C'est chiant. Ok, ça c'est fait. Pof, 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 on sort. Comment on passe de l'autre côté déjà et... Elle est où la serrure? Parce qu'il y a une serrure par là. Je sais plus où elle est. Les sections alpha et les DOMS. Oui, oui, c'est bien. Putain, elle est où la serrure? Non, en fait, tu peux faire le tour par là, c'est vrai. La serrure doit être plus loin. Ok, ça c'est fait. Je vérifie qu'on a rien oublié. Donc, les perles, il y en a plus. Et là, il n'y a plus d'animaux. Parfait, on s'en va. On a fini avec cette partie. On est sur le bon chemin, la sortie n'est pas loin. Ah voilà. Allez, accoste. La serrure est là, donc normalement, je reviens recevoir le code par mail. J'envoie ça au gouverneur. Le gouverneur m'envoie la réponse. On a fait au plus vite. Voilà le code. Bravo pour votre reportage. K7 G5. K7. G5. Le gouverneur prend vraiment des risques. J'espère qu'on pourra la remercier un jour. J'espère aussi. Mais pour l'instant, nous devons retourner. Ouais, alors, vu le tome, je dirais pas quand même que le meilleur MGS, c'est le Revengeance. Le 3 est largement au-dessus. Il est sympa, le Revengeance, mais il est pas non plus. Ça, généralement, je l'ai pris en photo. Ça vaut pas un vrai Metal Gear. Hein. L'histoire reste quand même. Ce boss final qui est. Pouf. Qu'est-ce qu'il est drôle, ce boss final? Un charisme d'enfer. Non, franchement, ça vaut pas. Ça vaut pas un vrai MGS. Faut pas abuser, quoi. Alors, je ne sais même plus où il a sorti. Ah, me saute. Ah, oui, c'est vrai. Ah, oui, c'est quand on revient dans la course, là. Ok, c'est bon, on est revenu là. Ah, merde, là, je commence une course. Ah, ah merde, je suis trompé. Je peux pas me casser? Putain, je vais te faire la course quoi. Ouais, tant pis. Bon, on va faire une petite course. Bon. Tant pis, tant pis. On va perdre 2 minutes. Même si j'ai déjà chopé la perle, je sais pas. Je me suis trompé de chemin. Ça arrive. Alors, je lis le chat en même temps que je pilote, c'est... Oula. Bon. Je vais pas gagner, m'en fous. Ah merde, il va falloir que je retourne voir Francis là aussi. Oh putain, ça va être beau à voir ça contre Francis là. Dernier tour pour le petit nouveau. Hey, casse-toi.
Ouais, c'est qui Tyler 21? C'est ce spam là? Il se passe quoi là? Ah, j'ai tellement de succès maintenant que voilà. C'est la rançon de la gloire. Bon alors Chatback, t'es bien gentil, mais tu commences pas non plus à cracher sur Atlant Miami. C'est toi qui as pas de coup sur ce coup-là. J'ai encore refait l'autre jour, il est vraiment très très bon. Hein? Alors, ok, je tolère ce que... Je suis d'accord avec toi pour Metal Gear, mais non, tu ne critiques pas Atlant Miami, sinon c'est toi qui vas virer. Ah merde, une attaque de Doms. Wow, je me suis pris dans la gueule. Mais non. Allez, viens là. Presque là. Voilà. Et une perle en plus. Ok, ça c'est fait. Je mets une nouvelle... Ah, Francis. Là, tu l'auras jamais. Je me suis entraîné à mort. Tu rentreras pas en palais. Voilà la perle que je crains le plus. Francis numéro 2. Bon, ben on va revenir en centre-ville. Ah, c'est vrai, Bulletin, t'as fait quoi avec... Avec de qui? Tu l'as kidnappé? Tu l'as enfermé dans ta cave ou quoi? Non, c'est pas du tout par là, je sais pas pourquoi je vais par là, je lis le chat. Pas du tout par là, c'est par là. Oula, il commence à y avoir de plus en plus de sections alpha là. La vérité est en train de sortir. Voilà, on voit qu'il y a de plus en plus de manifestants aussi. Là par contre, vous vous rappelez de Mamago? Le mec, à la base c'est un rhinocéros qui est grand quoi, qui est plus grand que nous. Mais là d'un coup, je sais pas pourquoi, il a vachement rapetissé sur ce coup là. C'est le mec du garage. Hein, et... Il a juste perdu un mètre. C'est un nain quoi. Trop bizarre. Est-ce qu'il y a des animaux dans le coin? Je ne sais plus. Non, normalement ils sont dehors, il m'en reste que deux. Allez, on va se le faire. Let's go. Allez, je me craque les doigts. Hop, c'est parti. On souffle un bon coup. Allez. Go! Ça commence bien. Oh putain. Oh, ça commence bien. Oh putain, ta mère. Oh,
Ah. Oh, po, 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 po. Oh, je suis mort là, je suis mort. Je suis mort. Oh, po, 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 Francis. Ta mère, Francis. Putain. Ok, 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 ta mère. Ok, ta mère, Francis. Oh putain. Ok. Ok, bâtard. Désolé, Jade. Il te faut encore quelques heures de vol. Ok, on retente. Oh go. Mais c'est quoi ce truc là? Allez, 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 allez! Voilà! T'as gagné! Un! Go! Ah putain! Ah putain. Mais oui. Là il y en a trop là. Ah putain. Ah ouais. Ouais. Ah. Ah oui. Ah oui. Ah. Ça c'est bon. Voilà, Francis battu. Ça c'est fait. On a presque fini le jeu une fois qu'on a fait ça. On a fait le plus dur. Ok. Ça c'est fait. Maintenant on retourne là. Ah, Jade, double H, vous tombez bien. Nous vous attendions. Il y a quelqu'un qui tient à vous rencontrer personnellement. Madame le gouverneur, permettez-moi de vous présenter notre... Oui, nous nous connaissons déjà, par email. Sachez que votre aide nous a été précieuse, gouverneur. Je crois que sans les codes, on n'aurait rien pu faire. Je suis ravie de pouvoir faire enfin ta connaissance, Jade. Tes reportages ont eu beaucoup d'effet sur la population. Encore un petit effort, et je suis certaine que nous pourrons compter sur le soutien de tout Illys pour chasser les sections Alpha et les Doms. Tiens, ceci te sera utile pour continuer le combat. Merci. Ça nous aidera à retrouver ceux qui ont disparu, s'il n'est pas déjà trop tard. Ok, ça c'est un truc important, on va le voir bientôt. Le chef! Il est vivant! C'est incroyable! Votre chef? Il avait disparu? Enlevé par les sections Alpha. Nous sommes sans nouvelles depuis plusieurs semaines. Salut Jackie, bonne nuit. Marcassin appelle Iris! Mais c'est mon oncle! Paige! Ton oncle? Notre chef? Il communique toujours avec vous par radio? Sécurité oblige. Jusqu'à ce jour, personne ne connaissait son identité. Paige, c'est toi? Il ne peut pas t'entendre, Jade. Taisez-vous tous, il va rappeler. Plus un bruit. Marcassin appelle Iris. Je n'ai pas beaucoup de temps. Ils sont partout. Ils m'ont embarqué sur la Lune. Voilà mes instructions. Communiquez ce message à Jade, votre nouveau reporter. Jade, lis le M10 que je t'ai laissé et trouve le vaisseau. Lis le M10 qui trouve... Lise le M10. Il t'avait donné un M-disque? Juste avant de se faire prendre. Écoute, Jade, ce vaisseau est providentiel. C'est l'élément qui nous manquait pour notre plan. Si tu le trouves, nous avons une chance de réussir. Paige est prisonnier sur la Lune, probablement avec toutes les autres victimes. Il faut aller là-haut. Nino a une idée, il va nous l'expliquer.
Ils utilisent un émetteur longue portée pour diffuser leur propagande depuis la Lune. On pourrait vraiment frapper un grand coup en diffusant tes reportages sur leur propre écran, via l'émetteur lunaire. C'est un excellent plan. Vous trouvez le vaisseau de Page, vous allez sur la Lune, vous bouclez le reportage, vous prenez le contrôle de l'émetteur, vous diffusez le reportage, la population se soulève... Et c'en est fini des sections Alpha. Et qu'est-ce qu'en pensent Carlson et Peter ? Ils disent que c'est de la folie pure. Mais moi, je dis que c'est du gâteau. Un paquet de perles. Jade, un petit mail. J'ai reçu ma commande. Ah voilà. Un seul stabilisateur aérien. Je te le mets de... Donc ça, on avait tenté déjà dans le dernier stream pour celui qui était là, donc Rada, qui avait vu ça. J'avais essayé d'acheter le stabilisateur aérien, mais il était plus en stock chez Mamago. Donc là, Mamago vient de prévenir que, comme par miracle, un stabilisateur aérien est disponible pour mon vaisseau, ce qui me permet d'aller sur la Lune. Les terroristes du réseau Iris ont porté des accusations diffamantes contre les sections Alpha. Les prétendues preuves diffusées dans le... Ah là là, donc là, il y a là, le gouvernement, enfin plutôt la communication officielle qui tente de discréditer le réseau Iris, comme d'habitude. Et donc oui, Page est toujours en vie et Twist de la Mort, c'est le chef de la résistance, avec ce magnifique surnom de Marcassin. On pourrait pas se douter que c'était lui, quoi. C'est le seul cochon du jeu et... J'ai déjà vu un interrupteur étoile. Quartier Est, derrière la fontaine. Donc là, on vient de choper la clé étoile. On casse pas le binôme. Oh, mais ta gueule. Page 823. Et elle est utilisable à un endroit derrière, qu'on a vu déjà et qu'on ne pouvait pas y aller parce qu'on n'avait pas la clé. Et maintenant, on va pouvoir y aller. Avant de choper le stabilisateur aérien, on va faire ça parce qu'on est juste à côté. Je vais juste voir mon pote Ming-Tsu. Je crois que j'ai tout acheté chez lui. Ah si, voilà, il me reste une perle. Il y a une perle que je n'ai pas achetée ou qu'il n'avait pas en stock. Identification compte. Hop. Okay. Une paire de plus. Donc là, normalement, il devrait plus en rester 105 000 non plus. Donc là, il en reste quelques-unes là. On a plutôt bien avancé. C'est quoi, Bultom, le truc que tu mets sur le chat, la vidéo YouTube? Alors voilà à quoi sert la clé. Elle va nous permettre d'accéder à une toute nouvelle zone du centre-ville. Le QG des sections Alpha. Cet ascenseur mène à leur QG. Ne vous faites en aucun cas repérer, ils seront sans pitié. Et dans le final du QG des sections Alpha est peut-être une des meilleures séquences du jeu. Vous allez voir. Bien reçu. Je vais trouver un moyen de vous rejoindre. Faites attention à vous, mademoiselle Jade. Donc là, c'est une phase d'infiltration, mais dans le centre-ville de la... d'Iris. Ça change un peu des complexes industriels qui étaient juste avant. Très sympa comme environnement, par contre, ici. Donc là on va pas y aller en full frontal, là, ils sont un peu trop par contre. C'est par là. Ok, ça passe.
sais plus si c'est très lent comme phase de jeu. Je me souviens surtout de la fin en fait. Ok, lui tourne comme ça. Sur la poubelle, tac, par là. QG des sections alpha. Est-ce qu'il tourne lui? Non, il tourne pas, c'est bon. Là, il faut juste faire gaffe, on va prendre notre temps. Non mais la population, ils attendent un peu quand même que j'aille sur la lune, hein. Ils sont pas non plus ultra pressés. Hein. Ça fait je sais pas combien d'années qu'ils sont sous le joug des sections alpha, ils sont pas à une heure près quoi. Hein. Bah si, la population commence à savoir là qu'il se passe des choses, parce que grâce au journal que j'envoie, ils commencent à connaître la vérité puisqu'ils commencent à manifester. Mais là, le coup de grâce qu'il faudrait justement, c'est d'aller diffuser nos reportages directement de la Lune pour que ça soit directement sur les écrans de... Les écrans de... Non, pas l'arme. Et voilà, je sais pas, c'est rien à foutre. Donc là, on chope les perles. Non, là, il y en a un gros paquet. Donc ça, c'est bon. Hop, et il nous reste que les toutes dernières perles. Et je crois me souvenir à peu près où elles sont. Et donc là, si je me souviens bien, c'est un passage assez sympa. Je pensais que c'était plus long que ça, là, en fait. Je sais plus pourquoi. Je me souvenais plus trop, là. Tac, tac, tac. Ah, merde. Oui, faut que je fasse un truc. Ah, ah oui, c'est ça. Tu es perdu, petite. Voilà, le chef des sections alpha. Et là, faut courir. Là, on se fait courser. C'est bien mis en scène, c'est dynamique, c'est sympa comme phase de jeu. Comme dans les vieux Crash Bandicoot. Bon, c'est pas très discret par contre. Hein. Oh, ce sauvetage. Ah, on casse pas le binôme. Carson et Peter, page 823. Laissez-les partir. Ils vont nous mener à un bien plus gros gibier. Bon, là, il faisait nuit, et hop, il refait jour. Tout va bien. C'est pas grave. Et on se retrouve à la coup d'abord. Donc ça c'est bon. Donc là, il n'y a plus de perles dans le quartier. Ça c'est bon. Il n'y a plus d'animaux non plus. C'est parfait. On en a fini le centre-ville. On commence à s'approcher de plus en plus de la fin du jeu. QG des sections alpha terminé. C'était beaucoup plus court que dans mes souvenirs. Abattoir terminé. QG des sections alpha terminé. Plus que quelques perles et on finit les animaux et ça devrait être bon pour aujourd'hui. Allez, retour chez Mamago. On va acheter un petit stabilisateur. Et vous allez voir après le beluga. On revient toujours chez Mamago.
Salut, madame la reporter. Donc là, 20 perles. Ok, ça c'est bon. Et 30 perles pour le stabilisateur, mais je crois pas qu'on puisse l'acheter. Moteur, c'est pas pour les overcorps, Jade. Viens avec un vaisseau, ouais. Et on te le montrera. Il faut prendre le vaisseau pour pouvoir monter le moteur. Sauvegarde avant quand même. C'est jamais. Hop. Ah mais sors pas, oh, qu'est-ce que tu fais? À bientôt. WH, le phare. Non. Ils l'ont détruit. Les enfants. Vite. Vite, mademoiselle Jade. Il est peut-être encore temps. Ils ont détruit le phare. Ils ont pris les enfants. Vite, vite. La porte est fermée. Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Non. Non, le phare. Non! Pablo? Fen? Yoa? Prudence, mademoiselle Jade. Les sections Alpha sont peut-être encore là. Double H! Ils ont enlevé les enfants! Vous êtes là? Oumi? Zaza? Y'a plus personne. Pauvre Waf. Je te connais. T'as encore essayé de t'interposer. Tu t'es dit qu'ils toucheraient pas un seul de leurs chevaux. Tu les en empêcherais. Je sais bien. Mais ça s'est pas passé comme ça. Les gosses sont perdus. Et toi, t'as rien pu faire. Et t'es là. Et là, bien vivant. Pour qui tu te prends? Tu crois que t'allais changer quelque chose, mon pauvre Waf? Mon pauvre Waf. Tu t'es planté sur toute la ligne. Planté sur toute la ligne. On peut rien faire. On peut rien. Il faut partir, mademoiselle Jade. C'est fini, Douglas. Fini. Ils sont vivants, mademoiselle Jade. Paige, les enfants, ils sont tous vivants. C'était beau cette séquence émotion. Ils ont laissé le chien quand même. Et aussi ils ont dû laisser le pingouin dans le coin. Parce qu'il me semblait que c'est là en fait où on le prend en photo, sauf que j'avais réussi à le prendre en photo au tout début. Il doit être quelque part, il doit se balader je crois. Je sais pas où il est. Ah il est là. C'est quoi, c'est un phoque? Une loutre, voilà c'est la loutre. La loutre qui, si vous vous rappelez bien sur le premier stream, qui est tout en haut du phare, qui se balade, que j'avais réussi à prendre en photo. Bah si on l'a raté là, en fait, on peut la prendre en photo à ce moment-là. Mais c'était beau comme séquence.
Allez, allons sauver les enfants et tonton Paige avant qu'ils finissent en bacon. Juste, il n'y a pas d'animaux dans le coin. Alors, heureusement, ils n'ont pas pris le beluga. Sinon, il n'y aurait pas eu de fin dans le jeu. Il y a un truc à bouffer dans le frigo. Ah non, il est vide. Mais casse-toi, double H, tu me gênes. Ah merde, y'a ce truc là. C'est pas comme si t'étais dur à battre en plus, toi. Ah putain, y'en a deux même. Ok, ça c'est fait. Ah, encore un. Eh merde. Yeah. Et arrête-toi. C'est bon, t'as fini? Allez, au revoir. Allez, ça c'est fait. 22h39, on a 20 minutes pour trouver les derniers animaux et les dernières perles. C'est faisable. Alors, le vaisseau, on l'avait vu déjà la semaine dernière. Enfin, une ou deux personnes l'avaient vu la semaine dernière. Oh, mais le stabilisateur, donc là c'est bon, on le met là. Et on y va. Je remonte pas dans ce truc, tant qu'il sera pas d'aplomb. Ça y est, le vaisseau est opérationnel. C'est parti pour un bataille. Alors, comment il se pilote déjà ce truc? Ok, c'est pas trop facile à piloter. Voilà, on peut voir... c'est joli, lisse d'en haut. C'est très joli. Alors... Ah! Photo! Photo! Ah, non. Manœuvre interdite. Altitude excessive. Ah merde, j'ai déjà photographié celle-là. C'est laquelle qui manque? Alors, photographier, il doit me manquer une quelque part. Ah, elle est là-bas. Ok, elle est de l'autre côté. Alors là, il y a plein de perles qui sont là-bas, à l'île aux Noirs, ça je m'en souviens. Hop. C'est classe, on peut se balader sur Ilis. Bon, normalement, si on va trop loin, ça va nous envoyer chier rapidement. Sortez des eaux territoriales. Voilà. Hop. Dernier avertissement. Là, on arrive aux limites du jeu. Pour votre sécurité, veuillez faire demi-tour. Mais c'est plutôt joli. Ça scintille un peu, mais bon. C'est pas grave. Alors, si je me souviens bien. Alerte générale! Alerte générale!
Oula. Ah. On va se le faire, lui. Reviens là. Ah, bâtard. Ah mais j'ai joué à Star Citizen là, tu peux pas test là. Oh, j'ai fait pire que toi. Je suis un roi de la... du pilotage. Voilà. Ah non, Rada, je lui prends pas en photo puisque je l'ai pris en photo au tout début, c'est le même monstre qu'au tout début. Y a pas besoin. C'est toujours le même. Astrin, oui, tu peux poser une question, c'est quoi Astrin? J'avais pas vu ta question là, au risque de spoiler, vas-y. Manœuvre interdite. Risque de collision. Ah, risque de collision, regarde comme je frotte là. Hop, je crois que je rentre dans une des dernières zones du jeu. Il va falloir être prudent. On dit que le trésor est gardé par une colonie de Crochax. Là, je peux pas encore traverser la stratosphère. Je te le montrerai tout à l'heure parce que j'ai pas acheté encore le moteur stellaire qui me permet de la traverser. Mais de toute façon, je vais le choper juste avant la fin du stream, le moteur stellaire. Parce que j'en aurais besoin pour une certaine... Ah, je veux pas rentrer. Pour une certaine chose. C'est lui le dernier animal? Non, c'est pas lui. Donc le dernier animal est dans le coin et les dernières perles sont aussi ici. Enfin, l'avant-dernier animal. Qui est lui. Voilà. Ok, je le répertorie. Ça, c'est l'avant-dernier animal et je sais exactement où est le dernier animal. Bultom doit le savoir aussi, je pense. Parce que le dernier, on le retient assez bien. Mais tout à l'heure, on va traverser la stratosphère, ne t'inquiète pas. Alors... Et par là, mademoiselle Jade. Et par là, oui. En même temps, ça va... Pas trop le choix, hein. Il nous reste un quart d'heure pour faire tout ça. OCPLB, on casse pas le binôme. Oui. Ah oui, je sais. Hop. Voilà. Toi, tu passes par là. Et les dernières perles du jeu. Hop, hop, hop. Ils sont pas trop violents les Crochax quand même. Mais tais-toi. Allez, chope les perles. Ok, donc il nous manque quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, il nous manque encore quelques-unes. Hop, on va se les faire. En même temps, Rada, c'est pas trop un spoiler quand t'as un moteur stellaire et que tu dois. Et quand on te dit tu dois aller sur la Lune, bon, tu t'en doutes un peu quand même que. Il y a un moment, il va falloir sauter de la stratosphère. Hein. Là, c'est vraiment les Crochax, ils ont tous une peur. Ah putain. Merci, mademoiselle. Il s'est pas débrouillé quoi.
Ah, Rada, il est déçu de ça te fait spoiler le prochain quart d'heure, quoi. Ah, Rada, c'est bon. Tu l'aurais vu, de toute façon. Allez, allez, allez. Pas mort, ça, encore. Ouais, ça va. Ok, il doit plus en rester des masses. 5. Les 5 dernières. Normalement, elles sont là. Ouais, mais même si on s'en sort pas, enfin, j'avais déjà de quoi faire. Hein. Merci, mademoiselle Jad. Putain, qu'est-ce qu'elle est forte cette Jade là. Hop, 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 hop. Vrai ninja. Quelques baffes à double H au passage. Qu'un là. Ah. Ah ouais, mais il veut pas venir. Voilà, S5. Et voilà. Alors là, j'ai toutes les perles et Mamago, il me file un nouveau M-disque. Qu'on va voir assez rapidement. Le jeu des perles. Ah, c'est vrai que j'ai oublié de passer chez... chez comment il s'appelle, Mingsu, pour récupérer le dernier reportage. Bon, c'est pas bien grave. C'est le jeu des perles, c'est un des plus importants, parce que... Ça doit être encore plus casse-couille que le jeu de palais de Francis. Je vais vous le montrer. Je vous le montrerai. D'abord, on chope les animaux et je vous montre le jeu des perles. On s'en va. Parce que pour l'instant, on n'a pas vu où était le dernier animal. Oh, double H, mène-toi. Non. Alors, si vous regardez bien, il n'y a plus aucun animal sur la planète. Et il en manque un. Donc, ça donne un indice de l'emplacement du dernier animal. Allez, viens. Manœuvre interdite. Risque de collision. Alors, un petit passage chez Mamago. Non, c'est pas Paige le dernier animal. Il est pas dans le Beluga. Hein. Oula. Ouh. Petit fonçage dans le bateau. Voilà. Acheter le moteur stellaire. Presque neuf et moteur compris, Jade. Ça se laisse pas filer une occasion pareille. Perfecto, c'est... Ouais, Paige, je peux le photographier, mais je l'ai fait au tout début, c'est un des premiers que je fais. Quand j'y pense. Identification. Ah, allez, on va acheter un peu Kababs. Ok. Alors, sauvegardons. Et jouons perles. Alors, je me rappelle comment on y joue sur PS2, mais je sais plus du tout comment on y joue sur PC.
Ce jeu est putain de casse-couille. Alors c'est avec ZDS. Ah ouais, c'est ça. Attends. Ouais. Merde, comment je gère la deuxième perle? C'est pas D? Voilà, je sais même pas comment on contrôle le bousin. Parce qu'il faut contrôler en même temps les deux perles. Et... c'est une horreur. Je sais même pas comment on contrôle la deuxième perle. Ah, si, ça avait les flèches. Voilà, ça avait les flèches directionnelles. C'est... donc ZQSD pour la première et ZQ et les flèches directionnelles pour la deuxième. Et voilà. Voilà, voilà. Ah. Il faut avoir deux cerveaux là. Faut être deux pour jouer à ce truc. Voilà. Oh là là, voilà. Allez, allez. Ouais. Ouais. Dos. Ah. Bon, on va s'arrêter là, hein. Enfin, pour... je vais vous montrer le dernier animal. Hein? Ça vaut mieux. Ce jeu est... non, c'est une horreur. Non. Et de toute façon, ça sert à rien, en fait. Ça sert juste à voir le meilleur score. Parce que... ah oui, je vous ai pas expliqué, en fait, à quoi sert... donc, quand je sauvegarde... donc, c'est pour le 13e M-disque, en fait. Il y a 13 M-disques en tout dans le jeu. Donc... si vous regardez, donc vous voyez en bas qu'il y a un truc qui s'appelle qui a le code internet. Donc ce code, ça servait au lancement du jeu, donc en 2003, sur le site beyondgoodandevil.fr. Il y avait une zone qui était la Black Room où on pouvait rentrer ce code, et si on était assez loin dans le jeu, donc on avait un mini-jeu sur internet où on devait craquer un code et ça nous donnait un mot de passe. Et le mot de passe était à rentrer dans le... il y a un truc juste à côté du jeu de palais de Francis. Il y avait un truc fermé. Et on rentre le mot de passe, on est assez loin dans le jeu. Et on débloque le 13e M-disque. Et le 13e M-disque, qu'est-ce que c'est? C'est le jeu de palais de Francis qu'on peut jouer à partir de n'importe quel lecteur de disque. Attention, super! Et une fois qu'on rentre son code internet, en fait, il est calculé par rapport au nombre de perles qu'on a, du nombre d'animaux photographiés qu'on a pris, du de points qu'on a fait au mini-jeu, le Yo Pearl, le temps qu'on a mis pour arriver jusque-là, et en fait, ça fait un classement des meilleurs joueurs, global. Je crois que j'étais dans les 500 meilleurs une fois. Et sauf qu'entre-temps, bah, Ubisoft a fermé la page, la Black Room, donc on peut plus le rentrer. Mais heureusement, il y a, le site, je ne sais bien, c'est pas beyondgoodandevil.fr, c'est BGE Meet, sur laquelle j'ai trouvé toutes les anecdotes, en fait, qui a craqué le code, je crois, et qui donne un générateur. En fait, on rentre ce code internet et il donne le code... le code pour avoir le 13e M-disque du jeu de palais. Peut-être que je le ferai entre temps, entre la fin de ce stream et le prochain, j'irai sur internet choper le code, mais de toute façon c'est juste le jeu de palais qu'on peut jouer à partir de n'importe où. Donc déjà j'en ai assez chié pour choper les deux perles, faut vraiment être sadique après pour jouer, pour avoir envie de jouer n'importe où. C'est pas la back room, non c'est la black room, la black room. La black room est fermée maintenant. Ouais, non. Alors on va choper le 13e animal maintenant. Et non, Astrain, nous n'irons pas sur la Lune aujourd'hui. Mamago, j'espère pour toi que ton moteur a quelque chose dans le ventre. Astrain, nous n'irons pas sur la Lune aujourd'hui parce que là, c'est la dernière partie du jeu et je la ferai lundi prochain sur le... donc, lundi prochain à 21h, je ferai juste la Lune et la fin du jeu. Là, on va déjà décoller pour choper le 13e animal qui est dans l'espace. Attention, c'est parti dans la stratosphère.
Genib, Oméga de la Sœur. Et voilà le dernier animal. Parmi les étoiles double H. La baleine. Elle est où? Elle est où? Je la vois plus. Putain, elle est où? Oh la salope. Allez là. Faut que les moteurs stellaires tiennent jusqu'à la Lune. Notre mission en dépend, mademoiselle Jacques. Et voilà, okay, dernier animal. Je répertorie. Ok, ta pellicule est terminée. Bien joué, Yad. Et là, on a tous les animaux. Et donc, il manque juste que deux M-disques. Le 13 est celui qu'on chope grâce à la Black Room. Et le 12, c'est le dernier reportage de Mingsu qu'on va aller récupérer, puisque de toute façon, là, il suffit de partir tout droit vers la Lune pour arriver au dernier niveau du jeu. Mais ça, on le fera lundi prochain. Là, on va repartir sur la Terre. Enfin, sur Elis, plutôt. Et ouais, le dernier animal était dans l'espace, c'était la baleine prise dans les glaces. Manœuvre interdite. Risque de collision. Allez, descends. Oula. Je ne sais pas conduire. Donc c'est bon, vous avez vu un décollage, vous pouvez aller dans l'espace. Voilà Rada, ce que tu t'es fait. C'est pas par là que je voulais aller, c'est par là. C'est ça là, que t'as raté la découverte. Enfin Rada, tu t'es fait un peu spoiler, mais c'est pas grave. Et il est 22h59, putain je suis pile à l'heure pour faire ce que j'avais envie de faire aujourd'hui. Deux heures pile, franchement. Hop, l'avant-dernier disque. On va aller le regarder tout à l'heure. Je retourne à la Kuda Bar. Donc là on peut pas y aller. Hop. J'ai combien de trucs là? Ouais, 12, ça suffira pour finir le jeu. On peut parler au mec, je sais plus. Pourquoi tu manifestes? Ah oui. Voilà, il est temps de réagir. Les sections alpha nous ont trompés. Section alpha! Et donc le truc que je vous parlais, c'était... Voilà, c'est ce casier. Qui est fermé et qu'il faut entrer avec le code qu'on chope sur internet. Donc là, on va regarder le dernier. Iris 514. Iris 514. Les habitants d'Ilis enlevés par les sections alpha. Un reportage de notre envoyé spécial, Shoni. Nous en savons plus sur les enlèvements massifs qui frappent la population ilienne. Sous l'œil des sections alpha, les victimes transitent par les anciens abattoirs. Là-bas, elles sont enfermées dans des sarcophages d'hommes. Puis expédiés vers la Lune. Les sections alpha et les Doms sont en train d'anéantir la population d'Ilis. Ok. Petite sauvegarde avant de partir. Ah, les espèces animales aussi, le M10 que j'ai chopé. C'est voilà, c'est juste un résumé de tous les... de toutes les espèces avec les photos que j'ai faites, photos très moches. C'est tout. Hop, sauvegarde. Et voilà. Donc, je vais essayer de choper entre jusqu'à la semaine prochaine le code
Je vous montrerai donc, j'aurai tous les M-disques. Et c'est juste le jeu de palais en fait qu'on peut jouer n'importe où. Donc j'essaie de vous montrer ça en début de stream la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine donc ça sera la fin du jeu. On va partir directement pour la lune pour le dernier, la dernière partie. Là c'est la dernière ligne droite, il n'y a plus rien à faire. On a toutes les perles, on a tous les animaux. Il reste juste la lune, on va sauver les enfants, on va délivrer Paige et on va sauver le monde. Donc ça sera en direct à 21h lundi prochain sur Hitbox. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Apparemment ça n'a pas trop merdé sur le chat. Il n'y a pas trop de lag apparemment, pas trop trop belle technique, donc ça s'est bien passé. C'était cool. Donc merci d'être venu, c'était sympa. Il y avait en plus de monde que la semaine dernière, donc c'était sympa d'être venu. Je vous dis à la semaine prochaine pour la dernière partie. Je vous dis bonne nuit et à très bientôt. Merci à tous, salut.